Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de Mystique, qui est la métamorphe. Alors pour débloquer son pouvoir déjà, il faudra que vous soyez palier 86 pour pouvoir débloquer les défis de l'éveil de Mystique. Dans ces défis, vous allez recevoir 3 défis à réaliser. Le premier défi est d'utiliser une cabine téléphonique en tant que Mystique. Alors bien entendu, il faudra que vous équipiez du skin Mystique pour réaliser ce défi. Alors quand vous êtes équipé du skin, lancez une partie et rendez-vous au fief de Fatalis au même endroit que moi dans le gameplay. À cet endroit-là, il y a une cabine téléphonique. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement utiliser la cabine téléphonique pour vous déguiser. Quand ceci sera fait, vous aurez terminé le premier défi. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec des pistolets de différents niveaux de rareté en tant que Mystique. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra vous équiper du skin Mystique et ensuite vous allez devoir infliger des dégâts au pistolet. Alors pour réaliser ce défi, j'ai plusieurs astuces. Première astuce, vous allez en foire d'empoigne et vous faites des dégâts au pistolet. Cependant, en foire d'empoigne, vous ne trouverez que des pistolets de rareté bleue. Donc il faudra quand même le faire en solo, duo ou section. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement de le faire en solo, duo ou section. Donc vous lancez une game et là, vous cherchez après 3 pistolets de rareté différentes. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire tous les 3 en une seule game. Dès que vous en avez un, vous pouvez déjà réaliser des dégâts avec le pistolet que vous avez trouvé. Mais après, il faudra chercher après un deuxième pistolet. Alors si vous tombez sur un pistolet de rareté gris, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'améliorer à la table de craft. Donc n'hésitez pas à faire un peu de construction et à essayer d'améliorer votre pistolet. Comme ça, vous pouvez grimper les niveaux de rareté rapidement sans devoir chercher. Alors il faut savoir que les pistolets, il y a des pistolets gris, vert, bleu. Et je pense aussi que ça fonctionne avec le Magnum violet. Alors je sais pas s'il y a d'autres pistolets ou d'autres niveaux de rareté pour pistolets, mais c'est probablement possible, surtout avec la table de craft. À mon avis, on peut avoir des pistolets niveau épique. Alors là, j'ai une dernière petite astuce pour vous, c'est que à la place de faire des dégâts contre des joueurs, vous pouvez tout simplement vous rendre au fief de Fatalis et là faire des dégâts aux acolytes de Fatalis. Ça comptera pour votre défi. Donc vous faites un de dégâts avec un pistolet gris, puis ensuite un de dégâts avec un pistolet vert, etc. etc. contre les acolytes, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Ou alors vous pouvez tout simplement mettre un type à terre, et quand il est en PLS, bah vous le finissez avec votre petit gun. Et le troisième et dernier défi est d'utiliser une émote après avoir éliminé un adversaire en tant que Mystique. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez obligatoirement utiliser le skin Mystique. Donc quand vous avez le skin Mystique, vous lancez une game, et là, vous allez devoir tuer un adversaire et ensuite prendre son apparence en faisant une émote. Et ne vous tracassez pas, l'émote que vous allez faire sera directement l'émote métamorphe. Donc directement, vous prendrez l'apparence de l'ennemi. Et ensuite, vous débloquerez cette émote pour toutes les games que vous ferez, uniquement si vous utilisez le skin Mystique, parce que c'est le pouvoir spécial de Mystique. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'éveil de Mystique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.